général, dans la vie, il y a deux solutions. Soit tu prends un problème à bras le corps et tu t'énerves, soit tu t'en fous, quoi. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de m'en foutre, quoi. Donc ça veut dire que ce soir, il n'y aura pas d'émission, je pense. Parce que moi aussi, j'ai le droit d'en avoir un petit peu plein le cul. Écran en panne, que des emmerdes depuis 2 mois. En récompense, quasiment 5 mois à se faire chier, à bosser à mort pour la chaîne. Donc moi, c'est bon, ça a gagné, hein, chacun son truc. Moi, je pars en vacances, là, j'en ai vraiment plein, plein, plein le cul, quoi. On va se faire un petit mouchi, parce que c'est un bon défouloir, du coup. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc pour les mes émissions, ça sortira quand ça sortira, hein. Maintenant, vous avez des super youtubeurs avec des fauteuils à 500 balles. Regardez leur chaîne, hein, ça doit être trop génial, je pense. Ces gens-là ont pas besoin de fric, mais ils en grattent plein. Moi, si je demande du fric, je crois que j'en ai un petit peu besoin, quoi. Parce que entre le PC périmé, les trucs qui tombent en panne, je peux pas faire plus, les amis, hein. Et là, vos fameux youtubeurs à fauteuil à 500 balles et à grimace sur vignette, je suis désolé, est-ce qu'ils ont tombé autant de boulot que moi? Là, je crois pas. Donc là, j'ai réglé un petit peu mes comptes et j'invite tout le monde à aller se faire foutre, en fait, parce que j'en ai vraiment, vraiment, vraiment plein le cul, quoi. Les choses sont dites, on va jouer. Objectif du jour, toujours essayer de sortir le 1CC dans Futari. Et bien se défouler surtout, parce que je vous garantis que si j'avais quelqu'un qui me disait la moindre contrariété en face, je crois que je l'incrusterais dans un mur, on pourrait en faire un poster, quoi. Oui, il y a de quoi être énervé, parce que quand t'as passé tout ce temps à se faire chier pour rien, quoi, t'as plus envie de te battre à un moment. Tu fais, ok, je suis cerné par la connerie, laissons la connerie se noyer dans elle-même. Dans elle-même avec un Z. Vénère, monsieur K? Mais putain que je suis vénère. Même le son est super vénère. Peut-être le baisser un poil quand même. Vivement le quatrième tableau que je puisse chanter. Allez, bien le bonjour chez les enculés. Oui, je suis toujours malade, c'est super. La mise en route est toujours laborieuse, hein. Et quitter le pull parce que, en général, on monte bien en température dans ce genre de jeu. Oh. Mouchoir, il n'y en aura pas besoin, je vais renifler, c'est déjà très bien. Aïe, yallah. Le bordel sur l'écran. Ah, hein. Oh, si je rajoute mes propres conneries, ça va pas le faire du tout. Je regardais le retour vidéo, désolé. Oui, je profite que j'ai un retour, c'est miraculeux.
sur une télé, quoi. C'est génial. Quel air blasé, aucun. Spéciale dédicace aux hipsters des Fab Labs qui passent leur temps à se lustrer la barbe et à mater leurs propres exploits plutôt que filer des coups de main aux autres. Ça me fera beaucoup rire. J'arrive pas à lire le chat de là, je vois pas qui c'est, ça doit être Kalan, je crois. Oui, la télé est super loin. Oui, bah oui, on stream avec ses moyens, quoi. Mais bon, si t'es pas un hipster, t'as raté ta vie apparemment en 2019. Hein. Je passe! Putain! Normalement, ça devait passer sans tirer cette putain de bombe, quoi. Et je m'y suis pris un peu tard parce que je les vois toujours à la dernière minute, les concrets là au sol, là. Ah, putain, 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 putain. Là, je t'ai vu tôt, mais. C'était pas la meilleure config.
Non, putain, mais quel con! La rage, oui, toujours la rage. Je suis en train d'imaginer que je suis en train de me torcher le cul sur un hipster. Là. Putain de Fab Lab. Je me doutais bien que c'était des endroits de crevards, mais à ce point-là, j'aurais jamais cru. Quoi. Fab Lab Grenoble. Je comprends mieux pourquoi ils se sont fait cramer leur bâtiment. Parce que c'est vraiment des fumistes qui sont pleins de moyens et qui n'ont rien à foutre de la solidarité. Quoi. Ils sont juste là pour se palucher devant des miroirs. Je m'appelais plus jamais Fab Lab. La 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 la, ça va être long ça. Ça va être terrible. Mais bon, l'adversité paye. Oh putain. Oui, ça c'est incroyable ça. C'est assez incroyable, mais je le fais quand même. Ah non, bon. Pas possible ça. Aïe aïe aïe. Je suis désolé de pas pouvoir lire le chat, hein. Mais j'ai des vieux yeux. Mais j'ai des bons réflexes encore. Ah, ça passait normalement ça. Là, remonte, 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 remonte. Là, 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 reste là-haut, reste là-haut. Hop, 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 hop. Oh la vilaine bébête, j'ai fait une énorme connerie tout seul comme un grand. Ah putain! Ah c'est pas le jour, hein. Trop énervé pour jouer. Trop énervé. Normalement, faut un calme olympien, mais je vous garantis qu'aujourd'hui, j'aimerais bien éclater des gens pour de vrai. Quoi. Un shmup, ça suffira pas à me faire plaisir. Je vais essayer de lire ce qui est sur l'écran. C'est bien lui. Mais j'arrive pas à lire. C'est trop loin. Allez, mais il y a Chaos aussi. Mais il y a les 2K. Ça fait 3K. J'aimerais pas être noir sur ce stream. Hein, je vous le dis, les gars. C'est de l'humour. Quoi qu'il y a des gens, ils sont tellement cons, ils peuvent y croire. Tu l'as vu la connerie, Hein, tu l'as vu la connerie, t'as failli la marcher dedans. Ah putain! Non! Oui, alors, ce qui tire plein de boulettes, on le voit pas, c'est sous les rangées de tir, mais. C'est super méchant, il faut vraiment pas que ça passe. Sinon après ça me met dedans vraiment. Ah mon papillon détesté. Ah putain j'ai bombé pourtant mes mini secondes de retard et merde. Aujourd'hui les papillons je vais les appeler des quoi? Des quoi? Des quoi? Des quoi? Des hipsters, ouais, on va dire que c'est des hipsters qui sont méchants. Ils sentent bon le pop et le patchouli mais ça reste des pourritures. Là, je m'entraîne à faufiler là parce que c'est mieux vaut s'entraîner comme ça. Après une fois qu'on fait une connerie, on se retrouve dedans. Hop 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 hop. Une fois qu'on se retrouve dans sa propre connerie, bah du coup on n'est pas surpris. On gère parce qu'on a l'habitude. Oh j'ai fait une connerie. Bon, pas de problème, j'assume. Fallait pas être resté en broie d'écran, c'est pas grave, j'assume. Il fallait flinguer dans un certain ordre. C'est pas grave, j'assume encore. En général, mes streams, ils inquiètent les vrais gamers et les scoreurs. Parce qu'ils hallucinent comment je vais chercher des manies des fois. Que eux, sur leur vieille route éculée, n'osent plus emprunter. Oui, éculée. Enfin, je me mouche, ce serait bien aussi. Parce que là, c'est en train de couler, c'est affreux. Heureusement qu'il n'y a pas le retour de caméra, on dirait. Je dis pas ce qu'on dirait de toute façon.
fallait que ça passe quand même, hein, parce que là c'était mal barré. Et là je suis dans le bon rythme, ça va. Je vais avoir beaucoup de choses à lire, est-ce que vous racontez sur le chat les amoches? Ça va être rigolo. Hein. Il est colère, il est vénère et il va tous les allumer. Alors le papillon, faut que je le passe ce putain de papillon, bordel. Il y a encore énormément de boulot. À chaque fois il me banane la tête, c'est pas possible. Papillon, 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 laisse-moi une place, laisse-moi une place. Ah putain, j'ai passé pas. Hein. Comment je le passe ce truc, bordel? Ah, tu vas pas t'y mettre. Vas-y, casse tout, fais comme chez toi. Ce décor, à chaque fois, de toute façon, il y a un mec qui passe derrière, il le remonte pour la prochaine partie. C'est ce que tu sais pas, espèce d'ignare. Merde, ça c'est ma faute. Oui, des fois on sert un peu les miches. J'aime beaucoup. Calmos, calmos, je suis content de t'exploser là. Vraiment, tu m'as vraiment fait du bonheur. Vas-y, on voit ta grosse nuée de cagade là. Ah putain, normalement ça passe ça, c'est idiot, j'ai fait une grosse connerie. Je me suis fait avoir par un pattern tout con que je maîtrise total, c'est idiot. J'arrive pas à vous lire, mais en tout cas je vois que vous rigolez, c'est bien. Vous rigolez plus qu'ici. En plus j'ai essayé de faire, pour faire autre chose, j'ai essayé d'enregistrer la chronique, la review sur Tchernobylite. Et devinez quoi? Au bout de 10 minutes, bah le jeu a planté. Donc forcément, en ce moment je sens que je suis le... Le partisan de l'amour et de la franche rigolade et de la fraternité, quand même. Calme-toi, Maurice. Je regarde un peu en haut de l'écran parce que là, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du terrain. Oui, le secret dans Mushihime-sama, pour le résumer globalement et vraiment très sommairement, tout se situe dans le haut de l'écran. Si tu vois et que tu gères l'ordre dans lequel ça part, haut de l'écran, tu peux maîtriser le jeu sans trop de problèmes. Ah, pas, 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 pas. Le tout, c'est de maîtriser comme il faut, parce que si tu te fais déborder, bah après tu gères plus le haut de l'écran et t'es obligé de regarder le bas et tu vois plus ce qui arrive. Et là, ça commence à s'encombrer méchant. Et la panique guette. Get up. Oh putain. Je m'y mettrai ça. J'aime beaucoup ce tableau en fait. Garde-le lui, garde-le lui. Petit con là. Attends, je monte en haut de l'écran, je vais te rattraper, je vais te... Je vais te broyer les couilles, comme dirait Cartman. Allez, envoyez le gros. Allez. Calmos, calmos. Ah, m'a un peu frisé les tuyères arrière celui-là. J'ai cru qu'il voulait pas crever sur le coup là. Commence à avoir le doute, je me suis dit tiens, il a mis un revêtement pare-balles aujourd'hui.
Il veut faire durer le plaisir jusqu'à ce que je fasse une erreur. Merde. Oh, ça passe là. Laisse-moi prendre mon pot, bonhomme. Attends. Gourmand. Là. Un jour, je jouerai sur la borne d'arcade de ce jeu et ce sera formidable. À chaque fois, ce droite me font une blague. Je sais pas comment ne pas me laisser surprendre. Le one-up, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, il est même pas accessible en rêve. Enfin, si tu le prends, tu meurs. Donc en fait, c'est un coup pour rien. Tu récupères une vie en lâchant une. Ou alors, il y a des mecs qui ont une technique pour le choper sans crever, mais il faudrait que je regarde parce que j'ai pas pigé. Le petit con là. Je détruis les bruitages de mon clavier à Juju. Il saura pourquoi. Enfin, les bruitages de mon pad. Parce que lui, il joue au clavier. Il est fou. On arrive vers la fin, on arrive vers la fin. Chocho. Allez, la grosse mémère. Bon, pareil, il y a deux patterns, faut que je trouve. En plus, je vais avoir le pattern de la mort. Oui, hier soir, j'ai passé un pattern. Le pattern final de ce boss. Sans bomber, et j'étais très content. Il y a très très peu de chances que ça arrive encore aujourd'hui. Si on est un peu honnête. Ah, je peux plus. Et ce chant immonde. Mais ferme ta bouche. Ah bah ça va, j'ai... Ah non, 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 non. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. Le passage de l'énervement. Il est chiant ce truc. Oh putain! Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps la même boulette que je me prends en plus dans ce pattern. C'est super pénible. Et j'ai le nez. Dans les poils, il doit y avoir plein de trucs à manger pour plus tard. Ça va faire des croûtes. C'est horrible. Oh putain, presque. Je commence à avoir un début de lecture sur ce pattern à la con. Non, c'est un début, mais voilà, c'est le début, quoi. Ce qui est con, c'est qu'il faut la suite, sinon ça passe pas. Ah, voilà le pattern de mes couilles. Ah, j'aurais pas dû bouger, mec. Ah, j'étais pas loin. Non, je ne bomberai pas. Tu n'auras pas ces privilèges. Quand on bombe, on comprend pas ce qui se passe. Quand on bombe pas, bah on en prend plein la gueule, mais on comprend tout. Enfin presque. Je vais aller lire le chat, tiens. Oh putain.
Oui, bon appétit, qui ça? Ouais, envoyez-moi des hipsters. Je vais me faire des petits rôtis avec. Je mets une ficelle autour, je les balance au four. Ça devrait pas être dégueu avec des pommes et des patates. Oh putain, cet énervage. Vous voulez voir le jeu en vraiment énervé? Parce que ça, c'était un mode. C'était pas encore pire. Hein. Allez, on va se faire le jeu en mode super énervé. Ça ira bien avec moi. Donc, le mode maniaque n'étant pas suffisant. Cave, dans sa grande bonté, a inventé le mode God. Et le mode God, il vous enfile, quoi. Il fait mal, vraiment. Je sais pas jusqu'où on va aller avec 9 crédits, mais ça va pas être très long, je pense. Et alors, le mode God, lui, en plus, il vous offre un boss supplémentaire qui est purement imbattable, quoi. Mais purement imbattable. Je suis mort. Donc, je le dis dès le démarrage, hein, ça va plus vite, c'est plus simple. Voilà. Non, là, c'était une connerie. On va essayer de s'appliquer un peu et puis d'avancer un peu. Non, là, c'est pas au bordel. Ah, il y a un peu de monde là. Non, 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 non. Alors, faut pas hésiter à bomber dans celui-là. La bombe, c'est pas une honte. Hein. C'est pas un luxe, c'est pas un confort. Il y a besoin. Et je crois que monsieur est assez généreux pour m'en rebalancer de temps en temps quand même, plus fréquemment que dans les autres modes. Oh, ah oui, je queen sur celui-là, puis j'ai pas fini de queener. J'écris en même temps qu'elle, c'est magnifique. Plutôt par là. Non? Oui. Je voudrais bien un module supplémentaire pour avoir une puissance de feu qui ressemble à autre chose qu'un mec qui tire sur la gueule des ennemis avec des élastiques. Tu aimes voir ton vaisseau exploser en morceaux? Alors choisis le God Mode. Un crédit, on n'a pas fait le premier niveau, c'est magique. Il va crever avant la fin du stream, le pépé. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire comme pattern de connard, toi? Parce qu'ils vont pas être aussi simples que tout à l'heure. Putain, c'était le mythos. Par contre, il va crever très vite, c'est ça qui est bien. Vacherie. Oui, ce mode-là, il pique vraiment, quoi. Là, je pense qu'il faut être en mode Parker. Comme Ray Parker Junior. J'ai le temps de me moucher. Non. Bon, bah, pas grave. Hein. Ça sert à ça, les poils de moustache. À retarder ce moment où vous allez manger votre mort quand vous êtes enrhumé. C'est horrible ce que je dis. Bon appétit, qui ça? Il va me faire chier, il va me faire chier. Hein? J'avais senti qu'il allait me faire chier. Les fruits de mer en ce moment sont très pénibles. Ils sentent qu'on va les bouffer et. Voilà, et ils se comportent très mal, je trouve. On va gérer un peu le haut de l'écran quand même. Histoire qu'il y ait moins de boulettes qui apparaissent si possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le haut de l'écran est vital. En sachant que bah, un ennemi que vous pétez, bah, il annule tous ses tirs, mais là je l'ai pas pété donc ils arrêtent plus de tirer, ces connards. Ah, je vais demander l'intervention de Rémi Gaillard, si ça continue, je vais faire n'importe quoi, n'importe comment, en étant n'importe qui parfaitement. Ah, j'ai les yeux qui clignotent. Hein. Regarde-moi ça, cette saloperie. Hop, 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 hop. Tout est méchant, les petits hippocampes, les gentilles tortues, tout ça. Donc c'est tout méchant. De la vermine. On croirait des gens de la République en marche. Comment ça, on avait dit qu'on mélangeait pas la politique, chaos? Mais si, regarde. Ça ressemble fort. Imagine, tous les vaisseaux en face, c'est des gens qui veulent le pouvoir. Et moi, je suis le mec qui défend la liberté de chacun. Voire l'individualisme, c'est important. Je bouge plus, je bouge plus. J'ai bombé après qu'il soit mort, c'est con. J'ai gâché une bombiche alors que j'avais passé son pattern de la mort. Je suis humilité, je suis ridicule, je suis. Vas-y, Julien Lepers, crash ta Valda.
Je suis en transe, ça y est. Non, on a pas... je veux pas qu'ils apparaissent, les gonzes. Je vais les buter en l'écran. Presque. Non, presque, c'est ça passe pas, quoi. Avec des presque, on n'avance pas dans ces jeux. Ça va piquer, madame, ça va piquer, ça va piquer. Ah, putain, juste à temps. Oui, c'est un stream 18+, on va dire. Ah, passe, reviens, passe, hop. Oui, je voyais plus où passer, là. Soyons clairs et honnêtes. Alors lui, dès le démarrage, il va me faire la fête, je crois. Non, passe plus, là. J'étais trop coincé dans mon angle. Il me reste des bombiches, au moins. Dommage. Oh, le tir. Lui, crève. Deux bombes, trois bombes. Ouais, bon. Je vais lui bomber la gueule si je vois pas de passage dans le prochain pattern. Hein. Il y avait un début l'idée, mais il m'a épaissi les parois de où je suis censé me faufiler. Ça m'a un peu terrorisé. Paul, une tourtelle avec deux Jack Daniels, s'il te plaît. La tourtelle, c'est pour me laver les pieds. Ça va envoyer du gros là. Oh putain. Bon, fais gaffe, le moindre ennemi un petit peu plus gros que la moyenne, il va te pourrir l'écran. Oh là là. Vous avez des amis épileptiques? Amenez-les. Le bonheur, c'est simple comme quelqu'un qui bave par terre, ah, parce qu'un jeu clignote trop. Ah, même les petits trucs ridicules, ils tirent des boulettes, mais une quantité complètement démente, quoi. C'est, je vais me plaindre au syndicat. Du coup, je suis tellement énervé que j'y arrive mieux dans ce mode, j'ai l'impression. Tiens, putain de hipster, prends ta gueule. Oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Hipster. J'ai décidé que je me balerai avec un rasoir. Et un sécateur même. Pourquoi faire le sécateur? Ça, si vous voulez pas savoir. Ouais, c'est. Je voulais me faire des petits gonds avec des prépuces de hipster, c'est mignon. Là j'imagine que Kisa, s'il est encore là, elle est pété de rire, quoi. Dommage. My bad. Une petite mitaine comme ça serait mignon. Non mais grand. Une mitaine, c'est là où il n'y a pas le. Bah il n'y a pas la partie utile justement, c'est dommage. Ah putain lui, j'avais pas vu. Le gars qui est passé à gauche m'a ruiné le passage, quoi. Hey, il en chie le jeu là. Il en chie. Moi aussi, il faut dire. Justin time! Justin Bieber time! C'était sale ça. La pornographie de la boulette. Alors si. Calme-toi. Reprends le mood cool. Le mood cool. L'abeille cool. Le shmup cool. Tout est cool. On est des petits Fonzie. Tout va bien se passer. Jusqu'à ce moment fatidique où il faudra bien admettre que forcément, si tout se passe bien, c'est qu'à un moment où ça s'amochit, quoi. Ah, qu'est-ce qui fait couiner ce niveau, disons. Et à chaque fois, les ennemis en face pile pète dans la demi-seconde où vous allez vous faire impacter la gueule, quoi. C'est extraordinaire. Thank you.
J'y suis allé un poil au quoi? Au culot, oui. Je voulais pas bouger là, je me disais, c'est peut-être un safe spot, va savoir, mais ce fut une erreur surtout. Oui, non, là j'ai plus rien compris. En plus, toutes ces boules derrière ne m'inspirent pas très 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 confiance, puisque je n'ai pas mis mon t-shirt, mais dans le shmup c'est important, le pas par derrière. Not from behind, Bibi. Ah putain, je suis où là? King of the jardin. Parce que tous ces insectes, ça peut être qu'un jardin de toute façon. Et là, qu'est-ce qu'il va me faire le concon? Qu'est-ce qu'il va me faire le concon? Hop. 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 Wouhouhou! Bis! Bon, celui-là, il était pas trop laid, ça fait plaisir. Je vais m'essuyer un peu les aisselles, hein, ça coule. En plus du nez. Il y a des gens qui veulent du flon, dessert? Non? Sûr? J'en ai fait pour tout le monde, hein, j'ai de quoi faire là. Ça fait déjà deux corbeilles que je remplis de mouchoirs, donc je vous laisse imaginer. Ah mais on est à l'avant-dernier tableau. Faut que mes yeux tiennent jusqu'au prochain. Ce qui n'est pas du tout garanti. Quoi. Merde. Oh ça va être moche. Oh ça va être moche. C'est moche. Putain, mais lui il a changé son pattern, il fait autre chose. Aïe 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 aïe. Oui, parce qu'il y a des petites habitudes qui s'installent quand même pour pas se faire trop déborder. C'est le but du jeu quand même. Je suis pas arrivé à revenir à gauche. Et du coup, bah, quand on a ces habitudes, dès qu'on les change, vous êtes dans là. Ah, c'est moche ça. Si je me l'étais pris dans la couenne, ça allait. Dommage, ça allait couarner. J'ai pris un autre truc dans la couenne. Oh là là, le truc, reste dessus. Reste au milieu, tiens. Ce sera encore plus port. Ah! Ah! Je veux descendre! Ils viennent droit sur moi. Mais là, c'est pas réguler mon espèce. C'est ils veulent m'exterminer, quoi, c'est clair. Oh là là. On va essayer de regagner un peu le haut d'écran. Histoire de se faire un petit moment câlin. Allez, allez, allez! Doucement, 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 du calme, détends-toi, pense à ton cœur. Qu'est-ce qu'elle va me faire, elle? Ça va sentir le truc un peu putassier. Oui, il y a putaluminium et il y a putassier aussi. C'est deux matériaux métalliques, mais il y en a un qui monte pas. Faut y aller à la gym, hein, du pad. Oulala. Non, 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 non. Eh non, je voulais pas bomber parce que je voulais pas, quoi. J'imaginais un passage où je puisse passer tranquillement, zen, pour aller faire mes courses de Noël, pépère. Acheter des articles bio dans ce jardin extraordinaire, mais très très infesté par les insectes apparemment. Je vais sortir. J'ai plus d'argent sur moi, arrêtez de m'emmerder. J'ai tout donné. Ouais, je pouvais pas. J'avais pas de plan pour revenir à gauche. Ça va barder avec ce qu'il m'envoie à droite. Oui, il y a, heureusement qu'il est mort. Mon papillon adoré. Quel enculé. Ah.
Alors ces papillons, faut vraiment que je pige comment ils fonctionnent. J'ai toujours rien capté moi. Il envoie des grappes plutôt en diagonale. Et puis au milieu, il envoie un petit arc où il faut se faufiler dans toutes les merdouilles. Mais c'est pas fini, il y a encore quelques tirs qui partent dans des inclinaisons différentes. Et à chaque fois, je me fais bananer, quoi. Peut-être bonne santé aussi. Tu veux un mouchoir? Non. Tu veux une bassine? Non. Je le ferai pas tous les jours, ça. Ah, normal que ça passe pas 4 fois d'affilée. Tout ce que t'as? Mais vas-y! You're a bug on my windshield, bonhomme. You're a bug on my windshield, je te dis. Oh putain, j'aurais pas dû lui dire ça. J'aime bien les insectes. J'aime bien les insectes. Les insectes, c'est cool. Les insectes, c'est fun. Il prépare un sale coup, gros, je crois. Je crois que je vais même en avoir le goût, l'odeur, et les traces de pneus, peut-être. Hein, hein? Mouchoir, 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 vite! Je pourrais faire gagner mes mouchoirs dans un concours live. Je l'envoie à qui celui-là? Alors, qu'est-ce qu'il va me réserver pour ce tableau que j'adore tant, que je suis supposé connaître presque sur le bout des doigts, et qui va devenir un enfer? Putain, faut y aller. Hein. Qu'est-ce que ça va être quand il y aura les dragons? Oh, 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 oh. Oh, l'enflure. Mais tu ne fais pas ça, monsieur. Non, 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 non. Dommage. Je commence à plus y voir grand-chose. Hein. Dommage. Ah oui, les cercles concentriques de boulettes qui se croisent. Ça demande une gestion du croisement qui est assez tendue que ça. Et la grosse astuce normalement qu'on essaye de faire, bah, c'est de gérer les croisements, c'est-à-dire repérer là où les boulettes vont se croiser et se mettre bah, juste dessous. Parce que ça veut dire qu'elles ne resteront pas en face. Donc elles vont vous esquiver. C'est ça, crie, 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 pleure. On n'avait dit pas les affaires, mais je vais quand même te faire les affaires, tu vois. Bouge pas, j'arrive. Calmos, 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 calmos. Oh, non. L'autre, il commence à sortir la table de camping, la nappe, les tupperwares. Genre, ouais, je vais le bouffer tout cru. Mais... Non, 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 non. Nine-ish, bonhomme. Nine-ish. Oh, il me fait chier ce qu'elle prend. Pourquoi j'y pense encore? Parce que je suis en train d'essayer de me vider l'esprit. C'est important dans les shmups de se vider l'esprit. Fear is the main killer. Bah, penser aux shmups, c'est pareil, ça vous tue, quoi. Comment je l'ai bien prise? Comment je l'ai prise en pleine fois. Cette barre de vie qu'il a, cette enflure. Ça va être long, ça va être douloureux, ça va être pénible. Ah ouais, il y a un problème là, il crève beaucoup moins vite que dans la version standard. Puis les autres, ils arrivent, hein. Ils font du stop tranquille, ils font « Oh, un dragon, on peut monter dessus, c'est sympa !» Oh, il y a un humain qui essaie de jouer au mieux. Bon, c'est pas grave, il va mourir. T'inquiète, ça passe, Lucette. Hop, hop, hop. T'inquiète, ça passe, Gérard. Hop, hop, hop. T'inquiète, il va m'envoyer un gros con là, ça va plus passer, je crois. Ah bah je le dis d'avant, je spoil. Où il est le gros con? Où il est le gros con? Le gros con il est où? Hop, hop, hop. Faut le temps les trucs de droite, hein. On y revient, hein.
Comment ça, je fais encore de la politique? Non, je parlais des ennemis qui étaient apparus à droite. Et qui sont à peu près pareils, hein. C'est des crevards. One up! Ouais! Non! Je l'avais dit dans le précédent run. Si on prend le one up, c'est qu'on va crever. Oh là là, c'est le pire one up de tous les jeux que j'ai vu, quoi. Il est placé à un endroit, tu as 90% de chances de crever en allant le récupérer. Si ces gens ne sont pas pervers, je sais pas ce qu'il faut comme objectif. On se calme, les gars, on arrive au bout, là. On se calme. Plus qu'une petite marche arrière et puis tout va bien se passer. Bon, allez, on va changer le thème du jeu. On va dire que je suis un CRS et que ça, ce sont les manifestants qui font grève. Je vous demande de vous disperser, d'arrêter de tirer. Sinon, ça va mal se passer. Je vais sortir mon LBD. Je suis pas fait pour être CRS, je crois. Je vous demande de vous disperser, mais surtout d'arrêter de tirer, c'est important. Non? Ok. Non, mais c'est pas grave. Lâche le pavé, sale manifestant. Oh, c'était joli ce score, mais on voyait plus rien. Toupi, 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 la 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 la. Ouyouyou. Alors le boss final, je sais pas ce que ça va être ces patterns, mais je vais en prendre plein le... Vous choisissez d'ailleurs. La tête, les bras, le pad. Après, on peut commencer à choisir différents endroits qui sont un petit peu plus personnels quand même, mais j'ai pas très envie. Enfin, pas aujourd'hui, c'est lundi, on commence la semaine, je reste zen. Ah, putain. J'avais la prétention de passer, oui. Ce mec est fou. Vous seriez pas là sinon. T'es pas morte, hein? Et voilà mes mères. Allez, mes mères. Amène ta barre. Non, je t'ai pas amené de cadeau de Noël, mais tu vas manger des boulettes. Et moi aussi, je vais manger des boulettes parce qu'on est là pour manger des boulettes. Les boulettes, c'est bon, mangez-en. Je vois pas où je passe, là, bordel. Je vois pas où je passe. Ton champ est horripilant. Ah, putain. Il doit y avoir un petit chemin qui est vachement plus simple que ce que je me fais chier à faire, quoi, mais je le vois pas. Et c'est un passage où il faut bouger un tout petit peu comme ça en mettant des petits coups de stick, de pas grand chose, et ça passe normalement. Mais pas avec moi apparemment. Oh, le chaudard là! Je crois que je vais te bomber ta gueule si tu continues, toi. Allez. Bim. Alors attends, j'ai un boss après ça? Mais comment je vais faire, moi? Je vais être en slip devant, quoi. Il faut crier pour se vider. Voilà comment ça fait quand on connaît pas la les patterns et qu'on arrive la première fois dedans. Ça pique un peu. La quantité de crédit à la minute devient indécente. Oh. Putain, au bas, gauche, droite, au bas. Je serais mieux d'essayer de rentrer un Konami code, ce serait plus sûr. Où que tu te mettes, tu peux jamais rester dans un horizontal ou dans un vertical, il n'y a jamais de couloir, quoi. Ou alors ils sont bien planqués. J'essaye de pas bouger, comme ça je vois les patterns et j'essaye de piger, quoi, parce que je vois pas comment on passe là-dedans. Là j'ai une idée, mais ça va trop vite. Allez, on va lui bomber la gueule, parce que celui-là il insupporte de pattern au millimètre près. J'ai de la bombe, autant en profiter, hein. Tiens! Ça lui fait rien en plus. J'aurais peut-être dû garder la dernière bombe. Ça avait l'air si bien.
Oh, quelle saloperie! Oh merde, j'aurais pas la photo de la douche de Kalan, je suis triste. Ça avait l'air tellement bien ça aussi. Bon, bah, ce mode-là, vous comprenez mieux pourquoi je le fais pas. Avant de s'y mettre, je crois qu'il y a encore du boulot. Faudrait que je passe le précédent, ou c'est pas loin de passer. Mais là, c'est... Il pardonne rien, quoi. Bon, bon appétit, moi je vais décrocher ce que j'ai dans la moustache et puis je vais me faire un petit dessert avec. Oh, c'est dégueulasse! Et puis ce soir, il y aura sans doute pas de stream parce que voilà, j'en ai plein de cul, quoi. J'ai le droit d'en avoir plein de cul. Ça fait 3 ans où je me suis retenu. Là, ça sort. Bah, c'est comme la mort. Oh là là, c'est très South Park ce stream. Petite clope. Enfin, ce soir, il y aura un stream de dépannage sûrement. Hein. Mais j'ai pas encore choisi ce que c'était. Faudrait que je fasse un reportage dans une caserne de pompiers. Et dans ces gens qui vont dans l'urgence dépanner d'autres gens. Peut-être que ça aidera à inspirer le Fab Lab et puis l'ogre. Les deux petits trucs de hipster du coin qui sont incapables de se bouger le cul quand c'est pour quelqu'un d'autre. Ouh, je l'aurais bien dit ça, on aura compris quand même qu'à Grenoble on a des bons gros hypocrites de base. Ou faut que je fasse un dessin? Sur ce, je vais aller étaler ma méchanceté sur une salade. Avec tous ces insectes, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Mais jusqu'où dira-t-il tur? Bah jusqu'il appuie sur le bouton arrêt de stream.